À présent, je vous propose de remonter dans le temps. On va aller quelques siècles en arrière. Hier avait lieu à Saint-Apollinaire la 15e édition des médiévales. Selon les organisateurs, plus de 7000 personnes avaient fait le déplacement pour vivre le temps d'une journée comme au Moyen-Âge. Beaucoup d'adultes déguisés, un campement médiéval reconstitué, la découverte des métiers d'autrefois. On va tout de suite embarquer dans la machine à remonter le temps avec Pascal Monté et Quentin Germain. Regardez. Un dimanche ensoleillé, idéal pour une sortie familiale au parc de la Redoute. Dans un décor de vieilles pierres, des passionnés aux accoutrements et aux coutumes d'un autre temps. Ici, l'âge ne compte pas, les adultes retombent en enfance et se prennent au jeu jusqu'au bout. C'est une horreur, la sainte chariote. Je préfère ma vieille chariote, elle est bien meilleure. Elle était tirée avant par quelques chevaux, quelques gueux. Et les chevaux, je les mangeais, les gueux, je les faisais pousser. Leurs aînés transformés en gueux, les enfants trouvent leur compte en découvrant des jouets d'autrefois. Pour rythmer cette journée, des démonstrations artisanales, des rencontres avec les producteurs et évidemment les spectacles de la compagnie Clair-Obscur. Si vous avez manqué ce rendez-vous moyenâgeux mais bon enfant, pas de panique. Ce week-end encore, un grand rassemblement aura lieu à Semur en Auxois. Voilà, vous avez donc vu ces images de Saint-Apollinaire qui a vécu comme au Moyen-Âge le temps d'une journée. Ceci dit, quelques anachronismes s'étaient glissés dans les images que vous avez vues. Je vous laisse les retrouver. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour l'info à 18h30. Tout de suite, on enchaîne dans le grand rendez-vous avec On fait les comptes. Et juste avant ça, vos prévisions météo. Excellente soirée, à demain.